partie solo, non pas là où on l'avait laissé, mais à un nouvel emplacement, dans un petit village, pas loin d'un petit village, dans les sous-sols, où j'ai aménagé ce petit portail pour aller se faire une virée dans le Nether. C'est parti! Alors, si je lance cet enregistrement, bah, c'est pas pour rien. Vous l'aurez remarqué, ce portail est idéalement placé au pied d'une forteresse. Alors, gros coup de chance de le voir ici. Vous voyez la forteresse, les pieds dans la lave. Là-bas, il y a des torches qui ont été placées. Donc, je pense que c'est une forteresse que j'ai déjà visitée dans cette partie. Mais cette zone-là, cette partie-là, je la connaissais pas. Ou alors, c'est juste derrière, là-bas. Enfin bon, toujours est-il qu'on va pouvoir y aller pour une découverte un petit peu spéciale. C'est parti! Donc le Nether, c'est un monde où je suis extrêmement prudent. Parce que je déteste la lave. J'ai quand même beaucoup perdu dans mes premières parties à cause de la lave. Je maîtrisais pas bien le coup du seau plein d'eau. Et donc maintenant, si vous voyez bien, j'ai toujours au moins un seau rempli d'eau. Maintenant, j'en ai même un avec de la lave. Alors, on entend des petits sons. Il y a certaines bestioles que l'on va pouvoir rencontrer, qui vont apparaître et qui vont nous tirer dessus. Oh, il descendrait bien quand même par là, mais non, je suis pas très courageux. Allez, grimpons voir dans cette forteresse. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ouais, non. J'avais un petit chien tout à l'heure, je sais pas où il est parti. Et alors j'ai amené, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile, j'ai amené avec moi une carte. Qui c'est qui chante comme ça? C'est lui. Wow, beau raté. Ben alors, ça lui fait rien. Ouais, je me disais aussi. Donc en le tuant, on récupère une larme. Ouais, voilà, elles sont en bas là, que l'on peut utiliser dans le dans l'alambic pour faire différentes potions. Enfin, j'ai dit différentes potions, mais il y en a peut-être que une. Ouais, bon, allez. C'est pas pour la valeur des pépites, mais c'est plus pour l'expérience que ça m'apporte. Alors, eux, faut pas les embêter, d'après ce que j'ai compris. Sinon, toute la famille nous tombe dessus, et comme vous pouvez le voir, ils sont très très nombreux. Par contre, l'autre là-bas, là, le cochon, qui adore l'or, lui, s'il me voit, il m'attaque. Donc, je déteste tomber dans les trous. On va prendre de l'avance et c'est nous qui allons le tuer dès le départ. Vous allez me dire pourquoi est-ce que tu le tues tout de suite alors que peut-être qu'il ne te voulait pas de mal. Peut-être. Nous voilà à l'intérieur. Ouais, si ça y est, maintenant je percute, je vois ici il y avait du sable des âmes et puis il y avait des verrues du Nether que j'ai embarqué avec moi pour les utiliser dans mon alambic. Bon, ici il n'y a rien. Donc
Donc tout ceci, c'est généré automatiquement, c'est grandiose. C'est là où on se dit que, ouais, ça rend la gueule, voilà. Mes poules du Nether. Non, cherchez pas, hein, ça n'existe pas. C'est juste que moi j'en ai amené ici, j'ai amené des œufs ici en fait. Je me suis amusé à les balancer là-dessus. Donc là, il y a un générateur, voilà, qui va nous donner, s'il veut bien, et voilà. Des blazes. Ah, trois. Trois blazes. Que l'on va éliminer à l'arc. Ouh, voyons, ça régénère vite. Ça y est, ça tire. Bon, j'ai protection contre le... Peut-être pas contre le feu, mais contre les explosions. Je suis plutôt bien équipé, donc je ne crains pas grand-chose. Je dois vous avouer que là, je ne sais franchement pas comment est-ce que je pourrais m'en sortir. Vous avez vu, j'ai récupéré un bâton de blaze. Donc là, il y en avait deux bâtons de blaze. Pour ce coup-ci. Et donc là, voilà, c'est une zone que je connais, parce que je l'ai déjà visitée. Donc c'est la même forteresse. Vous voyez, j'ai un autre portail ici, et en fait, j'ai encore un autre portail tout là-haut. Oui, ben non, quand je vais dire. Qui c'est qui me tire dessus? C'était lui là-bas. Mais quelle nouille! C'est bon, je l'ai eu. Un petit peu d'expérience, et vous voyez là-haut, il y a encore un portail. Alors, prendre n'importe quel portail, ça peut être rigolo pour se déplacer. Ça peut aussi être super dangereux. C'est-à-dire ne pas savoir où vous allez tomber. Celui-ci... Pas mal hein, cette vue là. Pas mal du tout. Celui-ci nous ramène où? D'accord. Donc ça c'est un portail dans la jungle. Ok. C'est tranquille, les champignons, je n'en ai pas besoin. On fait tout doucement, tranquillement, surtout pas énervé. S'il s'amusait à me taper dessus ou à me courir après. Thank you.
Donc là, il faudrait que je mange un petit coup. Mais j'ai vraiment la mauvaise habitude de tenter de me débarrasser de mes ennemis avant. Ouais, c'est bon. Il y avait deux squelettes. Le voilà le deuxième. Bon, ça va. Il a l'air passablement débile. L'autre blaze était là-haut, je crois. C'est bien ça. Quoi ? Mais non ! Qu'est-ce que c'est que ce poison ? Ah oui, d'ailleurs. Oh la vache, d'accord. C'est ce que j'avais lu. Les cartes dans le Nether, c'est pas tout à fait ça. Bon bah donc ayez en tête qu'il faut se souvenir de là où vous étiez. Et ça y est, moi j'ai un gros doute. Ah non, d'accord, je peux passer par là. Voilà, et donc là moi j'ai un gros doute sur... Ah tiens, je suis jamais passé par là. Oh oh! Pas mal. Une armure en diamant pour cheval. Alors ça, si c'est juste pas énorme. Et c'est là où on regrette. Non, c'est bon. Hop. Non, non. Les œufs, là, c'est bon. Oui, enfin, on va quand même indiquer qu'on est passé par là. Voilà, les verrues du Nether, mais j'en ai déjà. Non, ça y est, on est au bout. Ouais. C'est pas très très intéressant d'aller par là. Pourquoi je fais ça? Il manquerait plus que le sol s'effondre. Ouais, c'est bon. Gauche, gauche, hein.
Mais oui, voilà, temps de réaction à 2 balles. Oui, oui, l'expérience, je prends, je prends. Vous voyez comme moi, voilà, ça c'est le coup. Tu tombes. Je veux pas tomber. Allez, on remonte. Donc l'idée maintenant, c'était de sortir, de retrouver le spot de sortie. Donc ça, on va stacker un maximum. J'aurais pris un établi. J'aurais même pu faire des blocs de quartz. Même si ça m'est pas spécialement utile. Oui. Je disais donc que ça m'est pas spécialement utile. Et vous le voyez bien, tous ces petits points verts il est là, et donc c'est n'importe quoi. Je m'enfuis. Qu'est-ce que je fous sur le toit? Je suis en hauteur, et donc je suis pas au bon niveau. Oh, c'est beau tout ça. Waouh. Ça, je le veux. Voilà. Nouvelle recette. Je ne connaissais pas. J'en ai une. Il y aura un champignon. Ça, j'en ai déjà vu. J'en ai même ramené dans mon monde. Ouh la vache, ils sont nombreux là-bas. Vous les voyez, tous les petits cochons, là? Les petits cochons. Oh, il y en a un ici aussi. Et il suffit qu'il appelle ses copains et je me trouve submergé. Allez, on retourne là-dedans. Comment ça, j'ai déjà fait un trou ici? Bon, et ben, c'est officiel, je suis paumé. Oui, il y en a d'autres. C'est un coup à mourir, ça. Non, je redescends ici. Ok. Bon, ça veut toujours pas me dire où je suis. Et mon arc, il va être temps. Ouais, mais si, je suis arrivé par là. Pourquoi? Ouais, franchement, j'ai eu peur. Où j'étais? N'importe quoi! En train de te cacher? Je suis arrivé par là? Pas du tout! Je suis officiellement paumé! Thank you.
Ah oh, bah oui, je me disais aussi, on n'a pas vu, cool. J'ai retrouvé le chemin. Qu'est-ce que c'est beau. C'est sombre, un peu rouge, mais qu'est-ce que c'est beau. Allez. Ah, il pleut. Ouf. Ah, ça fait du bien de retrouver un monde à peu près normal. D'accord. Et donc ici, on voit rien de ce qu'il y a dans le nether. Elle va donc cette carte-là, elle va rester ici. Voilà, c'était une petite virée. Et le champignon biscornu, ainsi que l'armure en diamant pour cheval, ont été quelques-unes des belles découvertes de ce coup-ci. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut !